Bienvenue dans l'épisode numéro 65. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos recherches de qui veut gagner une bouteille de vin grand cru ou un balai. Mais je suis un peu perdu parce que même la sorcière ne veut pas de balai. Même ici, il me manque des gemmes de force. Je vais voir par là-haut. Et là-haut aussi. Ah, cool. Donc, le bon côté des choses, hein, comme je disais, c'est qu'à chaque fois, on trouve des nouvelles gemmes de force. Même si on est bloqué dans la quête principale. En tout cas, heureusement que j'ai acheté le détecteur de gemmes de force. Parce que sans lui, ça serait limite impossible de toutes les trouver. Vingt-huit, c'est bon, on les a toutes. Dans cette zone. Donc pourquoi j'étais venu ici? Oui, parce que je voulais retourner voir l'opéra. Sauf qu'il n'y a pas forcément moyen d'y accéder facilement depuis ce côté-ci, en tout cas dans le présent. Par contre, je me souviens que dans le futur, je crois, on peut. Ou c'est peut-être dans le passé. Mais puisque je suis là, et qu'il me manque des gemmes de force, je vais continuer ma quête de gemmes de force. Ah, tiens. Ah d'accord, le futur assez compliqué parce que c'est plein de petits trous comme ça. C'est sûrement pour ça que j'en avais raté. Ok. J'essaye depuis là, je pense aussi. Ah non, j'ai déjà fait ça. Bon. Pierre noire. Une pierre noire. Une pierre noire. Bon. Je suis coincé un peu partout maintenant. Une pierre noire. Une gemme de force. Mais je les ai toujours pas toutes. Il y en a une là, celle-ci je l'ai eue, je crois. Oui.
Oh là là, que c'est compliqué. Ah, là il y a une pierre noire aussi, près du fragment de cœur. Enfin, de là où il y avait le fragment de cœur dans le présent. Toujours pas fini? Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était le champ du temps accéléré. Oups. Donc là, ok, j'ai rien de nouveau. Où est-ce que j'ai pu rater quelque chose? Je sais pas. Bon, et donc toi, tu veux pas de bouteille de vin? Je construis un opéra. J'ai perdu mon accessoire vedette. Mais je sais pas ce que c'est ton accessoire vedette. Ah, donc là il y a une petite zone juste au-dessus où logiquement je suis jamais allé encore. Ah, mais c'est pas là qu'on trouve des gemmes de force. Et là. Pas de gemmes non plus. Donc là, je sais plus du tout où sont les dernières gemmes de force du futur dans cette zone. On va aller revoir l'opéra. Nous sommes fermés au public. Et alors, tu veux pas une bouteille de vin ou un balai? Oh là là, je suis coincé! Toujours coincé. Je trouve pas quoi faire ni à l'opéra ni à la prison. Qu'est-ce que je peux faire sinon? Ah oui, tiens, je peux faire ça. D'ailleurs, si je vais là. Ah, ok. Je me disais peut-être que ça va me mettre au-dessus là de la colline. Cimetière. Non, c'est pas là que je voulais aller. Je me suis trompé. C'était là.
Ah non, c'était pas là. Bon, c'est pas grave. Parce que comme j'ai des sous, je voulais d'abord aller voir la fée pour avoir des améliorations de bombes et de flèches. Mais bon, rien ne presse. Alors, je reviens ici parce que je commence à me dire peut-être que j'ai raté quelque chose. Non, rien du tout. Faut surtout que je prenne le grappin par ici. Donc là-haut. Ici, bah, on a fait tout ce qu'on pouvait. On a eu tous les poissons de cette zone 6. Dans le passé, on a les rennes qui parle, et le Père Noël, je me souviens plus ce qu'il demande, le Père Noël. Ils ont percuté une mouette, tout ça ne serait jamais arrivé si j'avais eu un klaxon. Ouais, ça veut pas dire qu'il veut un klaxon, puisque de toute façon c'est trop tard. Tu veux pas non plus une bouteille ou un balai. Donc voilà, la question, à quoi ça sert d'être venu jusqu'ici. Vous pouvez aussi vous parler, vous voulez peut-être faire la fête, je sais pas, c'est Noël. Puis dans le futur, là on a le temple de glace, la tour de glace. Et il faut toutes les gemmes de force pour l'ouvrir. Ce qui n'est pas une mince affaire. Puis là c'est toujours pareil, hein, on peut pas passer. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire. Alors on va s'arrêter là, et puis on se retrouvera pour la suite, si je trouve une solution. Oh, un sage. Bon allez, salut à tous.